La Seine-Maritime n'est pas une terre de garnison chasseurs à pied. Hormis la présence du 8e bataillon de 1852 à 1854 à Dieppe, du 20e bataillon de 1871 à 1886, successivement à Dieppe, Le Havre et Rouen, à l'époque où elle était encore Seine inférieure. Elle revue les chasseurs qu'en 1940. À Oudetot et dans la région, avec un épisode fameux que l'on pourrait lire en résumé dans le courrier Cauchois de cette semaine, à Doudeville, où le commandant Pierson et le 3e bataillon ont résisté aux Allemands, ne se sont rendus que pour éviter que l'hospice dans lequel il y avait encore des personnes âgées et des personnels soignants soit bombardé par des tirs d'artillerie et aussi parce qu'il ne lui restait plus beaucoup de munitions, il n'avait plus rien à manger. Ce département a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a échappé aux destructions pendant la première. Il a été envahi par les Prussiens en 1870, pour le rappeler, ici même, dans cette région. Les Prussiens étaient installés, ils sont restés un certain temps, mais ce sont surtout les combats de 1940 qui ont été très très durs, qui ont causé beaucoup de pertes. Nous, on s'intéresse particulièrement aux chasseurs à pied, mais il faut savoir que toutes les autres armes sont dans le coup. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. La vaillante 51e Highland Division joua son rôle dans ma décision de continuer le combat aux côtés des Alliés. Marseillaise.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Les chasseurs. Soixante-douzième anniversaire des combats de juin 40. Nous allons avoir une minute de silence avec une pensée pour Gilbert Courtois, président cantonal, inhumé lundi dernier. Une minute de silence. Ans que chasseurs et cuirassiers, unis dans le même combat, est venu dans notre village pour retarder l'avance des troupes de Rommel. J'ai une pensée toute spéciale pour tous ceux qui nous ont définitivement quittés. Chasseurs, cuirassiers, anciens écorche-boeufs, anciens combattants de Biville. Il y a 72 ans, vous avez lutté côte à côte pour empêcher l'avance des troupes du général Rommel qui était à Tôte. Chasseurs, baïonnettes au canon, cuirassiers, sabres au clair, ignorant les tirs répétés des chars, n'écoutant que votre courage. C'est horrible le spectacle de ces jeunes soldats, chasseurs et cuirassiers, gisant pêle-mêle au milieu des chevaux morts, et combien il avait été difficile d'identifier ces corps. Le 33e bataillon de chasseurs alpins qui est venu mourir, il n'y a pas d'autre mot, ici. Chasseurs du 53e BCA, vous apparteniez en ce mois de juin 1940 avec les 13e et 67e BCA à la 5e demi-brigade de chasseurs alpins commandée par le lieutenant-colonel Brunelli. Revenu de Namsos en Norvège avec la 40e DIA, la division bleue, sous les ordres du général Durand, vous avez rejoint l'Écosse, l'Angleterre, puis par le Havre, les plateaux du Vexin français.
Après la chute de Dunkerque, dès le 5 juin, les Allemands déclenchent l'opération Roth et reprennent leur offensive vers la Seine d'une part et vers Paris d'autre part. La 5e demi-brigade est projetée en direction de la Somme, en couverture du mouvement de repli général. Elle se met en place sur Brecourt, le long du Liget. Les 7 et 8 juin, les combats font rage. Les chasseurs s'accrochent au terrain face aux manœuvres des chars et à la supériorité numérique des unités d'infanterie. Le 8, au soir, vers 22h, ils franchissent la Brenne et à travers champs et bois, traversant ruisseaux et rivières, se dirigent sur Crodal, près de 40 km à l'ouest. Le 9 au matin, à nouveau marche épuisante sur Auffay, en essayant de tenir l'ennemi à distance. Le 10, dans la journée, dans son mouvement vers Saint-Valéry et Veule, le 53 est accroché à nouveau par les éléments de la 5e Panzer à Buville-la-Baignarde, ici. C'est maintenant un combat à mort qui s'engage. Le pot de terre contre le pot de fer. Mais le premier donnera du fil à retordre à son adversaire. Les combats sont âpres. Les chasseurs font payer chèrement leur vie. Dans la soirée, ils laissent 39 morts sur le terrain. Le 53e bataillon de chasseurs alpins, venu à son retour de Norvège, mourir ici, dans ce village du pays de Caux, pour être parmi les derniers à vouloir défendre la France. Officiers, sous-officiers, caporaux et chasseurs, nous ne vous oublions pas. Votre sacrifice n'aura pas été inutile. Comme vos anciens, vous avez soutenu le combat contre un ennemi 10 fois supérieur en nombre, contre une armée suréquipée, alors que vous ne disposiez que de votre courage. Vive les chasseurs! La France est là qui vous regarde. Quand sonne l'heure du combat, votre place est à l'avant-garde. En avant, brave bataillon, jaloux de notre indépendance, si l'ennemi...